Allez, on va appeler la police. Il y a des fleurs. Il y a des fleurs pour la police. La police n'est pas contre nous. La police, c'est ce qu'on lui demande de faire. Enlevez vos masques, enlevez vos masques. Enlevez vos masques à ce moment-là. Enlevez vos masques. Enlevez vos masques. Enlevez vos masques alors. Parce que c'est ce qu'il a fait. C'est l'Institut du Pasteur qui a créé ce virus. Hein. C'est l'Institut du Pasteur, hein, c'est sorti il y a quelques jours, qui a créé ce virus. Donc, on va commencer par les masques. On est d'ailleurs, ça y est, on y est, hein, sur les masques. Ensuite, le traçage. Ils ont déjà commencé un petit peu avec le traçage sur nos téléphones portables. On est d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir en phase 3? Vous parlez d'application Stop Covid avec les... Tout à fait. Ben, c'est le traçage. Okay. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le dépistage. Mais on est tous un petit peu pris dedans. Puisque notre immunité, elle a une mémoire. On a tous eu la grippe, quelque chose. Et les tests ne sont pas fiables de toute façon. Il y a un arbre et une papaye qui sont contaminés. Mais en Tanzanie, le président de la Tanzanie, il l'a dit, la papaye a la corona. Mais on marche sur la tête, il faut se réveiller. Arrivé à un moment, il faut dire stop. Bon, allez, on continue. Après le dépistage, ben, la vaccination, puisqu'on va tous l'avoir. Donc la vaccination, bourrée de nanoparticules. Donc après, on active la 5G. Parce que la 5G fonctionne avec les nanoparticules. Parce que c'est des micro-cartes, hein, ni plus ni moins. La 5G lance des rayons. Oui ou non? Oui, d'accord. D'accord. Voilà, et qu'est-ce que ça va donner? Ben, entre autres, de gentils petits robots pour que ceux qui rentrent bien dans le moule, mais ben, les dissidents, comme les gilets jaunes qui sont en prison, mais les pédos, ils sont dehors, ben, nous, on va activer Quick, finish. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Voilà. Donc pour vous, il y a un lien entre l'Institut Pasteur, le Covid et la 5G. Ben, renseignez-vous. Hein. La police avec nous. Je ne peux pas m'obliger à faire des soins sans mon consentement. Je n'ai pas apporté le masque. Et le masque est bourré de staphylocoques, de champignons. C'est prouvé. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui prouvent que le masque est bourré de champignons. Moi, je n'ai pas envie de tomber malade avec un masque. Je préserve ma santé en ne portant pas de masque. Et l'intérêt, c'est l'immunité collective et individuelle. Je préfère garder mon immunité personnelle individuelle, développer mes anticorps personnellement, plutôt que de porter un masque et de tomber malade en hiver. Là, je ne porte pas de masque, je vais très bien. D'accord ? Il y a plein de gens qui portent des masques, qui tombent malades, qui font des malaises. Moi, pour le moment, tout va bien. Je ne porte pas de masque, je suis en très bonne santé et je n'en porterai pas. Ils veulent sortir, c'est la sortie. Non.